Voilà, dès à présent, et bonjour YouTube! Si vous êtes là pour voir cette rediffusion d'Overwatch, eh bien vous êtes au bon endroit. Voilà, tout simplement, je vais mettre les stats du stream histoire de suivre un petit peu. Alors, Eloi Cap, tu vas bien? Les mioches, tout de suite. On voit le modo dans le chat, tu vois. La patate, 19,5 en maths, et bah parfait! DNS. Un DNS, c'est un truc en informatique, non? Bref, alors, vu qu'on est quand même un minimum dans la putaclic et pour l'instant il n'y a personne pour jouer avec nous, puisque les mecs qui sont dans le chat sont tous des planqués, eh bien on va commencer par faire un truc sur YouTube que les gens vont beaucoup apprécier. Ça va être un petit bout d'ouverture de coffre. Tout simplement, voilà. Et puis je vais faire une vidéo de 10 minutes sur juste des ouvertures de coffre. Vous voyez que j'ai ici 10 coffres puisque j'ai monté des niveaux. Et donc je vais pouvoir ouvrir des coffres. Tout simplement. Donc je vais ouvrir un coffre pour vous montrer. Alors. Et toi bien. Alors, ouvrir un coffre, c'est parti. Donc on commence. Voilà. Donc en gros, c'est comme dans LoL, vous avez des récompenses aléatoires, hein, bien évidemment. Non, pas, pardon. C'est comme les ex-chests de LoL. Vous avez des récompenses aléatoires. Vous voyez ici, j'ai un tag pour Mei. On va l'activer, voilà, très bien. Vous voyez qu'ici, j'ai un tag pour l'autre, pour Symmetria, mais j'aime pas. Par contre, j'aime bien cette icône de joueur, elle est sympa. Je vais l'activer et j'ai un tag pour McCree qui est le cowboy du jeu que je vais activer aussi. On va continuer à ouvrir les coffres comme ça. Voilà, pendant que les gens arrivent sur le stream, on va se mettre bien, on va se mettre posé. Oh, j'ai eu un skin pour Bastion. Sympa, je vais l'activer. Bon, il n'est pas super beau, mais c'est déjà mieux que rien. Un tag pour Genji. Donc vous voyez qu'en fait c'est un jeu qui est quand même bien simplement. Oh, non, bah, bien sûr, Overwatch est sorti, bien sûr. Il est sorti il y a 3 jours déjà. Et j'aime bien cette icône de joueur qui est encore mieux. Allez, activez aussi. On active tout. On active toutes les icônes. C'est quoi ça, zéro? Pourquoi j'ai zéro là? Bref, on va ouvrir un autre coffre et on va continuer. Hello Dragonlou! Effectivement, ça faisait un petit bout de temps que t'avais pas eu en live, hein. J'ai eu un tag pour Diva. Bon, on va l'activer, très bien. J'ai eu. J'ai eu. Ah, j'ai eu du fric. Très bien, j'ai eu du. Ok, parfait. Une réplique pour Reinhardt, donc ça c'est un personnage qui dit un truc. Et. Ah, doublon, ok. Donc là j'ai eu 60. Ah oui, parce qu'en plus, d'accord, je l'avais déjà, donc j'ai en plus, ok, très bien. J'ai lu en double, parfait. La musique d'ouverture est tellement épique. C'est-à-dire. Ah oui! Ouais, beaucoup trop d'épicitude dans une musique d'ouverture aussi naze. Lui je l'aime pas, par contre lui j'aime bien ce tag. Ah bah tiens, je vais activer l'icône de Lucio puisque c'est quand même mon main. Ok, parfait. On va continuer. On a encore un petit peu de temps. Zbra! D'ailleurs, je vais monter un petit peu le volume sur mon PC. Voilà. Alors, oh, il est sympa ce tag pour Chacal. J'aime bien. C'est un vent enfoiré derrière Chacal. Celui-ci est sympa pour Tracer. Et puis le reste, c'est une icône de joueur, mais on a déjà notre icône verte qui est jolie en haut. On va ouvrir un autre coffre. J'aimerais bien avoir plus de skins, et notamment un skin pour Lucio. Mais. Bah, un skin pour Chacal, voyez, vous voyez? Je vous avais dit que je voulais des skins, j'ai eu un skin pour Chacal, c'est parfait. J'ai débuté ma carrière comme ingénieur chez Fjord. Ingénieur chez Fjord, les gars. Retenez bien, ingénieur chez Fjord, les fabricants de yaourt. Je connais rien au jeu en vrai. Tu verras en fait, Clémy, c'est pas très compliqué, hein, c'est un. C'est un truc où tu tires dans le tas et le but c'est de prendre un objectif, tout simplement. Ah, un truc légendaire, par contre. Nice! Une emote pour Chopper. Qu'est-ce qu'il écrase sur sa tête? Il écrase des trucs de soins sur sa tronche, parfait. Bon, j'aurais préféré avoir un skin pour lui, mais. Ah, par contre, on a un skin pour Zenyatta. Il est joli en plus. J'aime bien Zenyatta, Zenyatta. Il y a un serpent dans ma botte. Oh! Vous avez reconnu la réplique, les gars? Il y a un serpent dans ma botte. C'est une réplique de Woody dans Toy Story. C'est trop bon, les fjords. Moi, je préfère Splatoon. Mais tu verras, en fait c'est assez sympa aussi hein, comme truc. Hein. Bon, pour Ange, parfait, on s'en fout, ça nous fait un truc pour Ange. J'aimerais bien avoir plus de skins quand même, parce qu'on n'a pas énormément de skins. Bon, la devise. Ah mais la devise, ça doit pouvoir servir à acheter des trucs. Genre des skins. Genre des skins, au hasard. Un icône Twitter. À la salle de gym, je t'explose. Bah, parfait. À la salle de gym, je t'explose. Clémy, elle a eu la référence. Et ça, c'est pour Winston. Bah, parfait, très bien. Hop. Alors, autre coffre. On va arriver aux 10 coffres bientôt. Ah, un autre truc légendaire. Du fric, parfait. Fric légendaire. 150. Ça, par contre, c'est pas mal parce que du coup, on va attendre 265. Et je crois qu'avec 265, on peut acheter des trucs, notamment.
Et un modèle pour Pharah, qui est assez joli. Ça change du modèle bleu habituel, qui est pas super beau. Un tag pour Mei, on va le prendre. Voilà, et un tag pour Faucheur, on va le prendre. Parfait. Et le dernier coffre, mesdames, messieurs. Accent russe bien raciste. Et dans mon collège, j'ai deux potes qui disent que Clash of Clans, c'est un jeu de stratégie. Oula. Oula. Ils ont le droit, hein, de penser ce qu'ils veulent. Et en dernier, nous avons donc... Ah, un skin pour le nain, sympa, bon. On a un skin pour le nain, il est un peu moche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Retour, on a un tag pour Hanzo, et enfin, on a... Ah, un tag pour tous les héros, parfait, ok, super. Et un tag pour Fatal. Très bien. Et voilà, retour. Retour donc, vous voyez qu'il y a une boutique, hein, bien évidemment, donc c'est exactement le même système de chest que LOL. On va juste pouvoir aller... Ça, on s'en fout... Aller dans la galerie des héros et voir notre personnage préféré pour voir si on peut pas lui acheter un skin, vous voyez. Parce qu'on peut aller là-dedans et acheter des modèles avec du fric. Par exemple, celui-là on peut, celui-là on peut, celui-là on peut, celui-là on peut. Mais ils sont pas fantastiques, vous voyez, mieux vaut garder son fric pour acheter des skins légendaires qui sont beaucoup plus classe. Quand même. Quand même, vous voyez. Genre celui-là il est très classe, mais il coûte 1000, donc on l'achètera pas. Voilà. Typiquement. Allez. Donc on va aller faire un petit tour rapido, on s'en fout, ça on a déjà mis les tags qui nous plaisent, on a déjà mis les tags qui nous plaisent. On va commencer à jouer, mais avant tout les enfants, bonjour Curie, bonjour Curie, avant tout les enfants, bonjour. On va arrêter la petite VOD pour YouTube,